Mes chers amis en Christ, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce vous soient données ce matin. C'est votre serviteur, pasteur Lazare Benson, qui est rentré chez vous avec la prière matinale, une tasse café chaud spirituel. Je suppose, vous le savez fort bien, chaque matin avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier, c'est un acte de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ouvrez avec nous votre Bible dans Hébreux 3, le verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Et le petit thème autour duquel nous allons parler ce matin, « Rassurez-vous sans douter. » Mes chers amis dans le Seigneur, un auteur a dit « Le doute ne tarit pas les peines de demain, mais la force d'aujourd'hui. » Et quelqu'un d'autre a dit « Tant que le doute est au volant, on ne va jamais où Dieu veut nous amener. » Mais bien aimé, le doute que nous sommes en train de parler là n'a rien à voir avec le doute méthodique, qui selon Descartes est une quête de vérité par un cœur honnête. Mais plutôt, c'est ce qu'on appelle le scepticisme, un égarement de l'âme dans l'obscurité de l'incertitude. Dans Jacques chapitre 1, le verset 6, il est dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Ce matin, laissez-moi marquer votre attention sur tout ce qu'on fait dans la vie, dans notre vie chrétienne, nous faisons comme des actes de foi. Nous prier par la foi, nous chanter par la foi, nous persévérons par la foi. Et toute décision à prendre en fonction de ça, la Bible dit, il n'y a pas l'autre bagaille que des actes de foi. Et il faut bien vous dire que relationnons avec bon Dieu sans la foi, c'est impossible. Car la foi, c'est celle-là qui servit comme étant un catalyseur qui est capable de permettre que nous rapprochions vers Dieu. Car Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Et la foi, c'est Père de Versa qui est capable de faire nous dans l'invisible, qui est capable de faire nous un être imperceptible. Donc, la foi nous permet de voir dans le monde invisible celui qui est imperceptible. Donc, quand nous parlons de la foi, c'est un regard qui permet que nous soyons plus loin que nos yeux charnels. Quand nous parlons de la foi,
C'est une façon de percevoir les choses, nos dimensions, que la compréhension humaine n'est pas capable de bien conçu, bien comprendre, bien adapter, bien appréhender. Quand nous parlons de la foi, c'est un élan intérieur qui dépassait la réalité extérieure, qui mettait nos niveaux de stade qui dimensionnel, qui inimaginable. Nous avons marqué trois bagailles pour nous-mêmes matin dans l'introduction méditation ça. Quand un monde a prié le Seigneur, c'est pas lorsqu'il a multiplié mots, multiplié paroles sous paroles. C'est pas lorsque on a prié à haute voix de manière pour éclater un toit, une maison. C'est pas lorsque on priait au point que on arrivait même souhait qui prouvait que on sait un monde qui gagne la foi. Mais c'est lorsque chaque parole que on a dit ou était soudé à ça ou fin dit. Et son fin dit, c'est un bagage qui imprimé dans ou même jusqu'à ce que l'y accompli. L'important pour moi dire que lorsque un monde fin parler avec bon Dieu par la foi, ou pas gain droit jamais fin demander bon Dieu un bagage pour retourner mander lui encore. Ne demande jamais une chose par la foi plusieurs fois. Immédiatement fin demander bon Dieu un bagage ou de boucler. Très fort souvent des monde qui mal comprennent et qui comprennent que le fait que l'a chercher un bagage donc à force que l'a dit il dit une première fois non l'autre prière elle dit encore il dit encore donc ça après le fait le recevoir. Pourtant très fort souvent c'est un manque de foi. Il en est de même si que ou t'a un monde qui a parlé avec lui ou dit mon est-ce que capable ban mon tel bagage fait déjà mon en dit OK m'a baoul ou mais tant de moi. Et puis chaque fois mon on dit ou ka fèm ka nou tel bagay fè tel je mon a dit mais ou t'ai dit ça déjà on t'ai dit ou tan donc ou ka tan pito donc lorsque on mon a cherché bon Dieu par la foi ou fin prier bon Dieu ou mandé bon Dieu on bagay ou pa ki aucune raison pour tourner sous lui encore pour dire Seigneur fèm ka nou tel bagay fè tel je non au contraire lorsque on fin mandé bon Dieu on bagay ou supposé commencer à préparer action de grâce pour lorsque bon Dieu baou là pour capable remercier le Seigneur. Et si ou c'est un monde qui intelligent pendant ou finement des bon Dieu sommande là bon Dieu qui doit pas comme même baroule mais c'est pour commencer par remercier bon Dieu parce que sommande là ou qu'on est en route là venir. C'est ça un acte de foi. Par exemple, lorsque un monde finement des bon Dieu on bagaille, il y a une autre attitude encore que ou besoin éviter. Il ne faut jamais oublier quelque chose qu'on a demandé à Dieu par la foi. Lorsque on me demande bon Dieu bagaille, oublier ça le demander. Il y a des monde qui qu'on dit, l'offre demande bon Dieu bagaille, donc oublier ça demander. Non. Ça pas un acte de foi. Où est passé l'attente, hein? Côté passé attente où? Côté passé, hein, dimension ça qu'on gagne qui permet qu'on attende pour qu'à recevoir. Hein? M'pense l'état mieux si mon état dit que ou doit patient tant mais pendant patient ou pas oublier son témoin de mon Dieu en dans cœur chauffé ou gon attendre ou attendre qui le pour recevoir. C'est comme si ou gagne par exemple papa ou qui non pays d'autre même et puis ou vivre dans pays côté que ou dans le besoin ou voyez on lettre ou bien ou relé pas pendant téléphone ou parler avec lui ou mandel on bagage et puis il dit pas de problème plus tard m'a voyer le barou au même moment ou fait toute journée en net l'esprit ou focus sous ça papa ou dit pour le voir barou parce que ou gon espoir ou qu'on est au bon bagaille qui va le venir. Il en est de même pour Dieu. Lorsqu'on finement des bon Dieu, on bagaille par la foi, ou besoin comprendre que, non seulement, j'aime ce dit à l'heure, ou pas doit insister pour demander plusieurs fois, qui t'a signifié que, ou pas au monde qui croit réellement que bon Dieu tendait ou pas le recevoir, mais deuxièmement, ou pas de blier aussi, ou pas de blier sortement des bon Dieu, ou doit toujours être à l'attente, en dans le cœur, dans la pensée ou dans l'esprit, que ou gon bataille, que ou attend dans main bon Dieu. Et troisième chose que m'ta remarqué attention encore, n'analysez pas quelque chose après l'avoir demandé par la foi. Koun ki des moun ki fin mande bon Dieu on bagay, c'est lorsque le fin mande bon Dieu ça l'a demandé là, li pral prend le temps pour l'analyser grossesse ça l'a demandé ya, large ça l'a demandé ya, dimension ça l'a demandé ya, degré salmandé ya et à force que le pral analyser elle pral commencer même pas comprendre que salmandé était trop grand
Salmande a été trop extraordinaire. Salmande a été trop élevé. Donc, n'en fais analyse. C'est bien pourquoi on dit, le doute vient souvent de notre tendance à nous voir autonomes. Quand on dit à nous voir autonomes, c'est lorsque bon ensemble de choses que nous avons fait, nous concentrer sur nous-mêmes, nous accentuer sur nous-mêmes. Nous pas capable à faire un bagage par la foi et n'a concentrer ou bien n'a accentuer sous propre tête pardon ou bien n'a concentrer sous nous-mêmes tout ça au monde a fait par la foi ou doit concentrer le sous bon Dieu ou doit concentrer sur l'Éternel en pile fois nous penser avec effort non par exemple il y a des monde qui capable besoin un bagage mais il dit que il gagne la foi mais pendant les prières il mandait bon Dieu pour bon Dieu capable bali ça que il besoin mais il entreprend une série de mouvements pour voir s'il est capable gagner ça demander bon Dieu mais c'est pas dit me dit que un monde qui a vivre par la foi ou pas doit faire effort non mais en vérité il y a quelques bagages que ou demander bon Dieu ou pas qu'un effort besoin le faire s'il rester tant bon Dieu. Ou pas grand ken craser corps pour aller pour faire ou pas grand ken battre corps pour aller battre corps c'est rester tant mon Dieu d'ailleurs en pile fois gain des efforts on a le fait nous qu'on gâter le plan de Dieu gain des mouvements nous qu'on chercher entreprendre nous qu'on déranger la volonté de Dieu nous qu'on déranger le plan de Dieu et gain en pile monde qui dit aide-toi le ciel t'aidera nous t'aimons comprendre que un c'est pas un verset biblique lié li pas biblique li pas évangélique ça li sorti je crois dans la fontaine c'est la fontaine qui déclarait, et d'abord, on comprend le concept, ça aide-toi, le ciel t'aidera. D'abord, on comprend, selon la Bible, l'issue est hérésie. Parce que bon Dieu, pas besoin de pièce pour aider le fait en rien. Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. L'omnipotence de Dieu permet que le fait toutes choses. Dieu pas besoin aide nan men pièce pour. Si on bagaille que bon Dieu commande pour faire, bon Dieu commande font bagaille, peut-être peut-être dans volonté en accomplissement le voit pas envers lui-même mais bon Dieu pas demande au faire quoi que ce soit comme s'il a besoin pour aider pour le faire quoi que ce soit détrompez-vous dame on comprendre qu'il est dit dans la parole de la vérité dans Proverbe 28 le verset 26 il est dit celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé donc pas mettre l'esprit ou bien pas mettre confiance sous une tête pas qu'on comprenne qu'on a fait rien ou besoin comprendre que tout ça qui doit faire tout ça qui capable faire c'est bon Dieu qui a réalisé dans la vie ou c'est bon Dieu qui a accompli dans la vie ou et non seulement ou pas doit focus sur propre tête pas mais ou doit aussi retirer yeux sur monde pas mettre espoir sur pièce monde pendant que ou c'est au monde qui a prié bon Dieu par la foi ou bien on va chercher grâce bon Dieu ou bien on va chercher une bénédiction la caille bon Dieu par la foi. Il a dit dans Psaume 118 le verset 8, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux hommes. De nos jours, il y a un pile monde qui dit que il y a la foi dans bon Dieu. Mais pendant mon on dit qu'il y a la foi dans bon Dieu, il est plus focus sur un monde que le gain qui t'allonge mais balé. Il est plus focus sur un monde que le gain qui cabale aide. C'est ça qui fait un pile fois nous subit mépris, humiliation, déception, nous prend comprendre des baf dans la vie, non, mais l'autre monde que nous met espoir, qui est capable de longer mes banons, qui est capable de dire un mot pour nous, qui est capable d'aider nous sortir dans nos circonstances. Et très fort, souvent, nous avons des choses qui l'aident comme ça. Lorsque nous avons un monde, nous avons atteint nos moments, quand nous avons un passe qui est difficile, nous avons été comptés sous lui, nous connaissons seul monde vrai. Depuis que nous avons la marée, depuis que nous avons la terrible, depuis que nous avons la mongomée, depuis que nous avons répondu nous. Et en pile fois, quand nous avons un monde qui a une relation, nous avons cherché à gérer une relation. Parce que le connaît que monde ça son monde que t'a compté sous lui quel que soit l'aile t'arrivé dans un passe qui difficile que t'a relel et le connaît que la répondre présent pour aider. Donc dame comprendre c'est seulement bon Dieu ou qu'a mettre espérance ça sous lui. C'est seulement bon Dieu qu'a mettre espoir ça dans lui. Et m'ta vle faut comprendre aussi très fort souvent conception ça attente ça qu'on déranger prière de foi non parce que pendant que la prière bon Dieu mais mai nous a travaillé sous qui est-ce que nous pral checker. Mais nous prenons à travailler sous qui est-ce que nous prenons à relier. Mais nous prenons à travailler sous qui est-ce que nous prenons à adresser. Et ça vient incompatible avec
prière, le foi n'a fait. Parce que la foi m'a dit pour focus seulement sur l'éternel. Focus seulement sur bon Dieu. Donc, il est extrêmement important d'amour comprendre, dans quel que soit impasse, dans quel que soit défi qui est devant, dans quel que soit attrape négo qui prend, dans quel que soit dimension, degré, problème dans le cahier, dans quel que soit hauteur, besoin un cahier, dans quelle que soit vastitude ou comprendre difficulté ou capable, dans quel que soit niveau ou comprendre impasse ou capable, rassurez-vous sans douter, car nous servons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est capable, un Dieu lorsque il dit un bagage à coup sûr l'accomplit. Bon Dieu pas jamais promettre pour le pas accomplir, lui pas jamais promettre pour le pas répondre, lui pas jamais promettre pour le pas faire. Tout ça bon Dieu promettre lui accomplit. Donc si l'homme qu'on baï menti, dit chercher au monde dans la vie qui t'ai jamais dit que t'es pas là, bon Dieu te dit un bagage, bon Dieu pas respecter ça, bon Dieu te dit là. Tout monde cap témoigner, yo dit que bon Dieu t'a dit tel bagaille il fait. Donc nous t'aimons comprendre que moi avec ou même gain raison pour nous suspendre quoi dans ça l'homme capable fait, car support l'homme capable nous aide, l'homme capable nous suspendre quoi aussi nos capacités, nos stratégies que nous mettre dehors. Même j'aime nous dire c'est maille m'a mettre pour nous suspendre mettre maille, mais c'est pour nous confier dans l'Éternel. Si nous voulons faire des bagailles par la foi, c'est pour nous faire des actes de foi à 100% et à coup sûr n'a saisi ouais non seulement la mer rouge n'a qu'à fondre en deux devant nous, mais n'a pour des merveilles qu'à éclater, des bagailles qui inimaginables. Que Dieu vous bénisse ce matin et nous allons intercéder, nous allons prier le Seigneur. Jésus, le nom le plus grand, puissant, le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, le Dieu qui n'a pas de rival, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est fidèle, qui accomplit tout ce qu'il promet. Mais nous venons devant face bénie au matin, Seigneur, par la foi en Jésus-Christ, pour nous glorifier, non, pour nous magnifier, non, pour nous intercéder, Seigneur. Dieu, trois fois, c'est son privilège qui est énorme que Oubanon. Oubanon chante, Seigneur, lorsque nous avons besoin de nous carréler, lorsque nous entravons, nous chercher, lorsque nous réellement en nécessité, nous commander, et nous prêts pour répondre à l'appel. Oh, merci pour cette opportunité. Merci pour ce privilège. Seigneur, si nous n'avons pas de privilège, ça, Seigneur, quelquefois, nous avons qu'à suicider tête nous avec le désespoir. Lorsque le désespoir voulait porter nous aller, lorsque les situations précaires de la vie, les circonstances inimaginables frappent nous, oh Seigneur, en vérité, nous t'es qu'à suicider tête, non. Combien de fois, lorsque l'a versé des larmes, combien de fois, lorsque l'a crié, combien de fois, lorsque nous chita, l'a gémi, nous qu'on senti la vie nous sans goût, nous qu'on senti la vie nous désespérée, nous qu'on senti la vie nous pas guérison raison d'être lui encore. Oh, quelqu'un passe que nous qu'on traversé la vie nous, Seigneur, nous qu'on senti à ce qu'il paraît, nous pas doit exister. Et des fois, nous qu'on même maudit existant, pour nous dire, pour qui ça nous t'est fait? Pour qui ça nous t'est sous la terre? Pour qui ça nous t'est existé? En pile fois, nous froisser ou nous injurier ou nous manquons respect. Seigneur, nous demandons grâce et pardon. Et chaque bien-aimé frère et soeur qui a tant de prier ça, il y a un pile dans le cap levé, mais on l'a cap du Seigneur, fais-moi grâce. Nous sentons coupables. Oui, me coupable, parce qu'en pile froid, dans un moment impatient, dans difficulté, nous sommes tellement plongés dans le désespoir, nous sommes maudits existence, moi. Et pourtant, Seigneur, chaque fois nous allons sous genoux, nous pouvons pas laver, chaque fois nous descendons devant, amen, ou même qui c'est le Shiloh d'Israël, ou même qui a brisé, amen, les sept du Liban, ou même qui peut dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu de tous les siècles, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu des patriarches, le Dieu d'Israël, le Dieu qui n'a pas de limite, le Dieu qui n'est pas borné, le Dieu qui n'a pas d'ombre de variation, le Dieu qui n'est pas limité à travers le temps et l'espace. Ce que ta bouche a dit, ta main, amen, l'accomplit. En ce moment même, Père, nous bénissons. Nous exaltons, non. Nous magnifions, non. Nous honorons, non. Nous louons, non, Seigneur. Nous avons raison, Seigneur, pour nous chanter gloire. Nous avons raison pour nous bénir, non. Nous avons raison pour nous intercéder. Nous avons raison pour nous interpeller. Nous avons raison pour nous salmodier. Parce que Seigneur, ou souverain. Parce que Seigneur, ou réel. Parce que Seigneur, vivant.
Nous parlons combien les bien-aimés frères et sœurs qui découragés, combien les bien-aimés frères et sœurs en ce moment même qui a traversé des moments qui vraiment noirs, des moments qui obscurs et qui quand même voulaient persécurables, maudits existentiaux. Ce matin, nous voulons dire rassurez-vous sans douter parce que nous connons fidèles. Oui, nous voulons rassurer vous, pas de douter parce que bon Dieu servi à fidèle, bon Dieu servi à réel, bon Dieu servi à capable, bon Dieu servi à gain répondant, bon Dieu servi à gain potentialité, bon Dieu servi à gain autorité. Matin Père, n'a pas demandé tant prie Seigneur, raffermi cœur yo, raffermi l'esprit yo, raffermi nom yo Père, par la foi par ton nom, par la foi en ton nom, par la foi pour ton nom, raffermi yo Père, et faire comprendre que ou là ou pas la gueyo, faire comprendre que là ou pas abandonner yo, faire comprendre que là ou pas quitter yo seul, faire comprendre que ou là ou pas abandonner yo. Oh merci Seigneur, merci Dieu de grâce, Dieu de vie, Dieu de merveille, Dieu de miracle. Dieu qui n'a pas et même qui n'a pas de semblable. Lorsque cher Seigneur Dieu, ou campez pour accomplir un bagage, sauvez-les ou accomplir la coup sûr. Oh, nous disons merci. Merci, merci Seigneur. Merci pour tout ce fait et ce continue à faire. Raffermi foi nos frères, raffermi foi nos sœurs, pour une foi qui inébranlable, une foi qui pas vaciller, une foi qui pas baloter, une foi qui pas secouer. Une foi qui pas fait faillite, mais une foi qui ferme, une foi qui solide. Même je parle à des gens qui mettent dans Jésus, une confiance qui sans mesure, une foi qui sans mesure, une foi qui immesurable. Amen. Une foi, cher Seigneur Dieu, qui est incomparable. T'en prie, raffermi foi yo, raffermi foi yo, raffermi foi yo, raffermi foi yo, Père, raffermi foi yo, raffermi foi, sœur ça qui veut désespérer, sœur ça qui veut désespérer, bien-aimé ça qui veut perdre espoir, raffermi foi dans le nom de Jésus. Raffermi foi, Seigneur. Raffermi cœur. Raffermi foi. Raffermi lit. Dans le nom de Jésus. Fais un senti qu'on pas oublié, Père. Fais un senti qu'on pas abandonné au matin. Fais un senti qu'on pensait avec au matin. Pour comprendre que tout ça qu'il a fait, sans douter. Il a prié sans douter. Il a chanté sans douter. Il a témoigné sans douter. Il a tendu sans douter. Père, ce matin, nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous réclamons toutes ces choses et non pas en vertu de nos mérites. Nous réclamons toutes ces choses, non pas en vertu de nos bonnes œuvres, mais nous les réclamons au nom de Jésus, à qui soit la gloire, la puissance, dès à présent et pour toujours. Qui croit ce soir que Jésus est puissant? La Bible déclare que lorsqu'il est venu à Abraham, il lui a dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Et il est écrit, après il lui a dit, « Désormais, tu ne seras plus Abraham. » Mais désormais, je change ton nom en Abraham. La même chose se répète lorsqu'il vient à Jacob. Il lui dit, désormais, tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque fois que la toute-puissance de Dieu se manifeste, il y a un changement d'identité. Et ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus que Simon se change en Pierre. Ce soir, je crois par la puissance du nom de Jésus que la stérile peut enfanter, que le célibataire peut trouver mariage, que le malade peut déclarer qu'il est guéri, que le pauvre peut dire qu'il est riche, car lorsque le Jésus puissant agit, il y a toujours quelque chose qui change. Oh, Rabacha de Bebekos. Lève tes deux mains. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Triomphons dans ton nom. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Jésus, tu es puissant.